J'ai trouvé que c'était une rencontre très positive. Bien sûr, le président n'a pas encore pris de position définitive, puisqu'il nous a proposé de nouvelles rencontres. Il a décidé de mettre en place une commission tripartite État, département, région pour bien évaluer les problèmes de ressources. Mais par ailleurs, je l'ai trouvé très ouvert sur plusieurs points qui sont pour moi des points fondamentaux. Premièrement, l'idée qu'il ne s'agit dans cette collectivité unique que des compétences du département et de la région. Il a dit, nous sommes dans le 73, tous les 73, mais pas plus, pas moins non plus, bien entendu. Donc, problème d'habilitation, oui, mais c'est la nouvelle assemblée, il a bien précisé, qui devra demander des habilitations. Donc, là-dessus, je suis satisfait, c'était très important. Sur le mode d'élection, il paraît très ouvert à l'idée de quatre circonscriptions, plus qu'une infinité de petits découpages, mais il n'a pas encore pris de décision. Donc ça aussi, c'est un point important. Et enfin, sur la date, il pense, comme beaucoup d'entre nous, qu'il ne faut pas trop attendre. Mais maintenant, il y a des contraintes qu'il va évaluer, mais moi, j'ai trouvé extrêmement satisfaisant qu'il dise lui-même que l'instrument étant un instrument plus performant, la collectivité unique, il faut essayer de la mettre en place le plus rapidement possible. Alors après, tout dépendra des problèmes de calendrier parlementaire. Je suis très attentif et toujours très prudent parce que construire une démocratie exige beaucoup d'exigence et de rigueur. Je pense que, je le répète, je regrette qu'en congrès, qu'on n'ait pas pu mettre en place des nouvelles donnes et je le regrette profondément. Maintenant, c'est au président à 8 mm à trancher pour nous. Bon, c'est une étape ratée. Cependant, il faut continuer à travailler pour que la Martinique se trouve rentrer dans la modernité, une troisième millénaire. C'est nécessaire de trouver des solutions pour son développement. Dans une dizaine de jour on aura des réponses plus précises, notamment sur les dates, sur le mode de scrutin, et puis on va devoir commencer à se préparer pour la bataille parlementaire. Il pouvait comprendre le découpage qui était proposé en 8 sections avait une pertinence, pour autant ce découpage pouvait nous emmener à revoir complètement l'organisation institutionnelle et qu'il fallait peut-être privilégier la sécurité juridique avec des circonscriptions reconnues déjà par le Conseil constitutionnel et qui sont les circonscriptions législatives, à savoir 4 circonscriptions. S'agissant de la date des organisations des élections, il a bien entendu les difficultés des uns et des autres pour mettre en place cette collectivité et donc qui œuvrait pour une organisation des élections en 2014. Mais pour autant, il entend effectivement que les Martiniquais sont peut-être dans une attente forte puisque la consultation a eu lieu, vous le savez, au mois de janvier 2010 et il nous a demandé, sur ce point particulier, de faire un effort pour organiser le plus rapidement possible cette consultation sans arrêter une date à ce moment-là. C'est pas 2012 et ça peut ne pas être 2014 à nous chercher effectivement les voies qui nous permettront d'organiser cette consultation le plus tôt possible. Sur la question des compétences, qui était un point particulièrement difficile, il a rappelé que le vote des électeurs sera respecté. Il s'agit bien du regroupement des compétences département plus région, mais pour autant, il a indiqué que ce n'est pas parce que les Martiniquais avaient refusé l'article 74 qu'il fallait pas pour autant prendre en compte toutes les compétences du 73. Il a dit toutes les compétences, rien que les compétences du 73, ce qui laisse supposer qu'au moment où la collectivité sera mise en place, elle peut bien évidemment, dans le cadre de l'article 73, faire valoir des demandes d'habilitation et de compétences nouvelles. Il faut battre la ferme avec les choses et que plus on tarde, plus la situation se dégrade. Et il est bien placé pour le savoir. Je pense qu'à ce niveau-là, il a fait un pas en avant. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que les autres voient, seraient plus favorables à ce que la mise en place de la nouvelle collectivité se réalise en 2012. N'oubliez pas que c'est quand même le président de la République avec nous qui avons proposé cette fusion des deux assemblées. Bon, la démocratie étant ce qu'elle est, on ne sait pas s'il sera réélu non plus. Et que par conséquent, il vaudrait mieux que ce soit lui qui mette en place ce qu'il a commencé. C'est l'argument que j'ai développé en toute objectivité devant tout le monde.